Mes amis, comment nous y est? M'espérez-nous en forme. Est-ce que nous connaissons tout le monde ou bien majorité de monde non yon cité dans le rapport ULCC, dépendamment de chef d'accusation qui est sous dos? Est-ce que nous connaissons les gens qui sont pas capables de candidat dans les prochaines élections qui viennent là? Vous faites quoi comme ça? Ok, amis, un bon an bon bon, oui. Chita là, nous prenons le causer. Je ne connais pas. Est-ce que le candidat Paola, est-ce qu'il fait partie de l'ISA? Et prochaine liste qui pourrait sortir, côté ONU pourrait mettre dehors, et travail ULCC a beaucoup fini. C'est environ 42 rapports ULCC bail qui en route toujours, qui en cours toujours. Il y a téléchargé, il y a download. Retez là, attendez, nous pourrons le causer. Et nous pourrons citer des noms bas. Magistrat. Dans ville magistrat qui responsable ville d'Ahabong en République Dominicaine qui c'est Riberon Santiago, monsieur il fait une déclaration fracassante. Pas bien dit aux dominicains yo fréquent yo sous moun. Monsieur dans cadre d'une déclaration il fait eh ben li passe droit dans figure haïtien yo. M'pa ka di li bande soufflette. Dans déclaration Riberon Santiago, monsieur fait qu'on frontière pour ouvrir bientôt. Pour qu'il y ait gros manifestation pour faire de bon côté haïtien. Haïtien pour faire manifestation et ça pour pousser ouvrir barrière et le faire qu'on haïtien pas kakembe une semaine de plus. Riberon Santiago. Qui c'est magistrat ville d'Ahabong. Qui c'est espace frontalier avec ville Wanamet. Monsieur dit c'est well ouais on série de moun la kaili. En République Dominicaine, des Dominicains ont fait manifestation, ont demandé pour ouvrir frontière, voulaient mettre à genoux dans pied haïtien, il dit lui-même. Tant pour l'État mettre à genoux dans pied haïtien pour demander ouvrir frontière là, l'État plutôt mourir, l'État plutôt manger terre. Riberon Santiago. Faut que nous baillons un exemple. Faut que nous continuions avec position mordicus nous gagnons pour nous dire barrière pas l'ouvrir. Faut que nous fassions respecter nous. Et meilleure façon pour nous faire respecter nous, c'est position nous bralgué là. Kembe position nous, continue construction canal là, et puis barrière nous style rete fermé tout côté. Moi, yo saute passé men nan cause visa, nan cause prix visa, vous comprenez? Et m'pa konnen qui est haïtien qui pral aussi stupide qui pral acheter visa dominicain. T'es connecté ensemble avec nous. M'ko tenter la caillou. Nous rentrons à fond dans le week-end nan. Et selon prévision météorologique, Haïti a dû subir en pile la pluie ou bien gros la pluie pendant tout le week-end nan, si nous croyons prévision météorologique. Donc, je demande à ce que tout Haïtien, tout le monde qui vit en Haïti, pour prendre pile précaution. Et c'est toute Caraïbe là, c'est pas seulement en Haïti, mais nous autres qui sont en Haïti, donc nous obligés pour en pile précaution pour nous capables et protéger tête nous. Pas oublier dans l'émission avant de dire vite l'homme innocent, monsieur lui fait partie de 10 fugitifs les plus recherchés à travers le monde, les plus recherchés par le FBI. Chaque année, FBI a une quantité de monde que l'a cherché pour action yo commettre, pour zak yo commettre et yo mettez l'argent sous tête yo. Gen moun dépendamment de importance li gagné, yo mettez grosse somme d'argent et vite l'homme innocent. Les États-Unis te mette $1 million derrière lui, mais actuellement là yo double mise là, c'est $2 million sous tête vite l'homme innocent. Donc quel que soit moun qui ka fourni des informations pertinentes sous côté vite l'homme innocent yé, ou gen $2 million. Et son j'aime de dire Haïti, son j'aime de dire États-Unis c'est pays fou là, parce que vite l'homme tout dernièrement là nous el micro à la main a prêcher dans croisade, a chanter dans croisade. Et c'est pas 5 minutes, c'est pas 10 minutes, non, il t'est fait dans croisade là. Monsieur passe un bon bout de temps dans croisade là. Tout le monde il a filmé l'. Et puis pour États-Unis dit nous, l'a cherché monsieur le Powell, il pas connait côté lié. Donc ou même qui a information qui côté lié pour dénoncer ou bien pour reler. Fou là et puis red. Mesdames messieurs, dans début émission on me dit ou il y a un groupe de monde là pour une raison quelconque. Nous avons cité dans le rapport ULCCA, moun sa yo pa gen aucune chance pour y'al participer dans les prochaines élections. Yo. Et ça m'a dit ou là, c'est vrai, oui. Gen moun, nous avons cité
dépendamment de chef d'accusation qui est sous Doyoua. Il y a mon nouveau site ULCC juste dit pour mettre action publique en mouvement contre yo. Ça veut dire arrêter au Mario deux bras derrière, pimper en prison. Mais il y a mon ULCC tout sorti avec verdict pour tout dire à clair. Parce que il y a des gens qui étaient comptables de deniers publics, ça doit connaître. De vous êtes comptable de deniers publics, ça veut dire qu'on décharge ou doit gagner pour capable en mesure pour participer dans prochaines élections. Vous comprenez ça? Dépendamment de poste. Donc, il y a des gens rapport à tout sanctionner, sans que les gens ne soient pas allés dans la prison. Rapport à tout sanctionner. Ok? Et, Vinjouen, la loi haïtienne li condamne un monde qui était condamné pour un zak quelconque, pour une peine affective et inflammante. On dit, loi haïtienne nan li même dit ça, moun sa ou pap gen accès pour participer dans l'élection. Ok? Guy Wilfried Gelin, ça c'est yon nan moun. Même sous de tout bagay, même si nous avons fait tout coup de maltaye, selon la loi, yon pas ta doué en mesure pour participer dans prochaines élections. Wilfried Gelin, Willow Joseph, Naoun Marcellus, Sauveur Jean-Jacques, tout ça m'a dit là, ancien parlementaire. Jean-Marie Junior Salomon, ancien sénateur sud, nous sommes les Salomon. Nèg qui te nan bras de fer, te fait connait pour bloquer Martelly dans sud, nous sommes bagay ça. Et Martelly te fait yon effigie de yon on peni côté y a traîné pour le dire lui-même, mais ça le serré pour Salomon. Tout nous connaît Marc Fabrique Michel Martelly. OK. Donc Jean-Marie Junior Salomon, nous fait partie de moun ULCC dit qui pas ta droit joindre autorisation pour yo pour aller dans prochaines élections parce que moun sa ont fait déclaration faux patrimoine ou ont fait fausse déclaration de patrimoine. OK. Moun sa ont pas ta droit en mesure pour yo participer dans prochaines élections yo. Et pas seulement moun sa yo, que Dieu donne l'humain Étienne. Sénateur TTA, PHTK Red. En pile, nous avons dit là, PHTK Red. Oh, et ça, bel. En pile, nous avons PHTK Red. Mais comme dit nous, on va finir avec l'isla. Est-ce que réellement, nous conscients de niveau gravité, est-ce que nous réellement conscients de tout dégât PHTK causé en d'un pays? Est-ce que nous conscients de ça? Mes amis, pour un régime monté au pouvoir, il fait environ 10 ans l'a dirigé. Ou a cherché dans PHTK ou pas qu'un grand monde qui bon ou bien qui passe ou bien qui meilleur. Ou cherche un grand monde dans PHTK, quel que soit tête ou t'apprend dans PHTK, monde qui bon dans PHTK l'a quitté le quand même l'a sorti parce que PHTK pas digne pour le bon monde là-dedans. Est-ce que nous conscients? Parce que dégâts PHTK fait dans le pays, nous-mêmes tous nous aussi coupables. Nous coupables dans toute dérive qui passe là. Yo. Nous coupables dans tout dégâts PHTK fait dans le pays. Parce que c'est nous qui t'es voté, c'est nous-mêmes qui t'es mettez au pouvoir, c'est nous-mêmes qui baillons accès. C'est nous qui mettons PHTK à côté de là. Majorité moun mwen cité là PHTK que on prend Wilfried Gelin Willow Joseph moun sa ou PHTK red oui ou comprenez moun sa yo nan ka déclaration patrimoine yo te fait yo yo te berner la justice. OK, nous dit Dieu donne l'humain Étienne Hervé Foucault, tout moun sa ou PHTK. Même si moun sa yo pas de poser candidature sous PHTK, mais yo c'est des alliés sûrs de PHTK, tout ça me cité là yo. Nous songez. OK, mais type de moun yo. Pour moun sa yo fait environ 10 ans, yo fait 10 ans environ y a dirigé pays a et plus passé, n'importe 13 ans parce que Ariel Henry monté là c'est toujours sous règle PHTK. Rien yo pas réglé. Et nous tout nous voyons comment yo gangsterisé pays a. Yo mette pays a à feu et à sang. Le travail de PHTK. Ou t'as dit son groupe de moun qui te gon mission bien déterminée dans mes yo. Qui te gon objectif clair, qui te gon calendrier bien défini.
calendrier qui parle l'autre bagaille que déstabiliser Haïti, fini avec Haïti, déchirer le pack en pack. Et c'est exactement ça qu'ils ont fait. OK? Est-ce que des gens ont un régime qui te fait payer autant de mal? Il y a des gens qui peuvent dire, mais si tu es jeune, ou pas de régime Duvalier. Mais écoutez, nous disons pas de régime Duvalier. Sous Duvalier, Haïti, ça nous est là. Nous pas besoin d'aide internationale, non pour nous démanger. Nous avons parlé de régime Duvalier. Même si vous avez dit papa, même si vous avez dit petit là, qui c'est papa doc et baby doc, même si vous avez remonté sous yo, ou pas jamais jouer Haïti, t'es aussi mal. Et nous t'aimer les dictateurs, nous disons dictateurs, oui. Faut que nous te destituer, faut que nous te déchouquer. Même si tu as remonté sous yo, même si tu as dit Duvalier, pas de ceci, pas de cela, régime Duvalier, te fait payer mal, qui mal il te fait? Oui, c'est ton régime boudu. Mais à cette époque, on se demande est-ce que nous pas besoin de vrai? Est-ce que c'est pas le régime ça a vrai que nous t'es nécessité à cette époque? Ok? Et nous tous, nous ouais, dans quelle dimension Haïti était à travers le monde? On était respecté, on se faisait respecter à travers le monde. Le monde t'a gagné nos respects, le monde t'a mis chapeau bas devant nous, parce que nous t'es une nation. Sous même régime Duvalier, soit t'es dit que c'était dictateur. Ok? Nous avançons. Nous, m'a cherché, m'a regardé, m'a croire à aucun moment de notre histoire. Nous t'es jamais gagné un régime aussi sanguinaire, un régime qui boit sang par CPHTK, même sous ta dîme la valasse. La valasse te fait crime, oui, mais pas autant que PHTK. La valasse touye moun en pile, Aristide te boit en pile sang, mais pas autant que Joseph Michel Martelly, pas autant que la valasse, pas autant que PHTK. Nous songe, oui, yo di Aristide pile ti bébé nan pilon. L'autre cause qui dit. Ok? Et songez à cette époque, la valasse, li pat joui de yon bonne presse, il y a ça aussi, ça fait me souligner. Au prix que grand pile moun ki pral di m'ap défendre la valasse, nous connais moi-même, nous connais position face à la valasse déjà. Au prix que gen moun ki pral di m'ap proposition pour la valasse, mais m'ap di ya. Jean-Bertrand Aristide, le régime Lavalas, yo pas de jouer de yon bonne presse. Yo pas de presse avec yo. Gosse de images qu'on a rapporté, gosse de bagailles qu'on a rapporté de gouvernement mais de régime Lavalas là qui pas de savoir parce que la presse était monnayée pour déstabiliser le pouvoir Lavalas là. Yo te fait payer à mal lui, yo te fait payer en pile mal, en pile. Yo te fait payer en pile mal. Nous reconnaître ça. Mais nous dit pas autant que PHTK. OK? L'autre conseil de médias qui va être tête nos amis à NMH et moun sa yo contribuer en pile dans craser pays à mettre pays à côté lié là. Vous comprenez? Parce que même depuis au grand l'argent dans main, peu importe régime là, peu importe vision que t'es gagné. Peu importe, il y a déstabilisé parce que même l'argent pas yo, yo c'est des chasseurs de primes. C'est ça le plan. Maintenant, en ouais. Le nous parler de la valasse. La presse qu'on a maté moun sa yo, la presse qu'on a démonté Aristide pack en pack. Ou capable dit peut-être il le méritait bien. Mais est-ce que nous connaît dans tout régime qui passe en Haïti, la valasse c'est régime qui fait plus l'école, qui construit plus l'école, place publique. Infrastructure routière là pour n'être coup préval c'est la valasse prévalier préval t'a pas changer il t'a pas reler l'espoir avant après ça devine vérité après ça devine unité tout bagarre mais préval rete yon la valasse. OK, là pour infrastructure routière ou pour infrastructure scolaire c'est la valasse. Oui, ou pas comprendre, la valasse construit plus l'école que quel que soit régime vous t'es cap en Haïti. Ou ka gen problème avec Aristide. Ou ka gen problème avec quelques méthodes de travail façon outil. Moi même tout me gen problème ça avec yo. Non pas capable reconnaître ça oui. Et PHTK qui ça yo fait? Jodi la qui toujours gen une série de régie, qui toujours gen une série de médias qui défendent yo oui. Ou pas comprendre? Toujours gen une série de médias qui défendent yo, qui bat bravo pour yo.
camp mode adelanté. Mais nous tous nous assistons, nous tous nous témoins. Nous tous nous voyons dans quel niveau la valasse. Ok, t'as travail, t'as fait, même si nous avons des objections sur vous. Mais au moins, ou avez des choses que vous fait pendant le temps. Mais EPHTK, qui ça a réglé? Qui ça a réglé? Qui ça peut pas ici en train de sanctionner PHTK? Pour montrer avec tout le monde, PHTK, c'est un régime qui est criminel pays à qu'on est dans toute existence. Li. Nous ne pouvons pas même compter quand c'est un massacre qui fait sous la population. Moun la saline, Carrefour-Feuille, Martissant, Kwa de Bouquet, Cité Soleil, Wav Jérémy, pour ne citer côté ça ou seulement. Canaan, ok? Pour ne citer côté ça ou seulement. Liancourt, c'est chaque jour que vous citez moun qui mourit. Chaque jour. Et nèg yo devine associé avec un autre groupe de bandits. Les têtes yo SDP, yo ben têtes yo toute coalition, tout non. Comme quoi yo tap goumen contre Jovenel, c'était même PHTK yo encore. Parce que go bagay ou de konnen. Sous gouvernement Jovenel là, qui c'était un bout tout dans PHTK. En pile bataille wèk tap mené là, fait manifestation dans la rue et cetera. Ça n'a pas toujours été et comme si c'était SDP ou bien c'était fusion ou bien c'était c'est pas toujours moun sa yo non fusion SDP et autres tout moun sa yo yo te fon seul avec PHTK qui te contre Jovenel parce que Jovenel te rive au moment li te wè PHTK c'est déstabiliser le tap déstabiliser pays donc moun qui te en dans régime nan moun qui te nan pouvoir Jovenel la qui te encore des PHTK rouge Jovenel te vle débarrasser de yo elle te commencé débarrasser de en pile nan yo. Donc à ce moment-là, Jovenel Moïse, il était perçu comme un traître à ses yeux. Et il était de faire tout ça, il était capable de débarrasser de Jovenel. Donc c'était une coalition. Ça veut dire, massacre que tu as fait tout de la salle, de l'autre côté. Écoutez, massacre ça, il pas fait non sans PHTK. Vous va comprendre? Il pas fait sans PHTK. Et les juges, les policiers, massacre ça yo mdou. Le qui est chez le lui doit expliquer. Le tap dit reconnaître c'est eux même qui fait massacre là ou même dans SDP. Yo te gen des policiers qui accompagnent ou pour faire massacre là. Vous comprenez? Ça veut dire massacre là fait, te gen des unités de la police qui était là pour assassiner population. Donc des policiers au sol du PHTK. Des policiers que PHTK a grassement payé. Ba yo gros l'argent, gros moyen. À l'assassiner une série de moun. OK. Donc l'on a questionné régime qui passait dans pays là, l'on a questionné régime qui fait plus crime, PHTK en tête de la liste. Régime sanguinaire. PHTK. Vous comprenez? Donc, vous pouvez conseiller de moun yap cité non yo, moun sa yo di moun sa yo pas capable candidat dans prochaines élections pour gagner yo. Sur bonne PHTK pour la plupart là-dedans. Oui. OK. Donc si ULCC a fait travail réellement, si ULCC a fait un bon travail, gon série de moun, gon groupe de moun là qui pas capable épingler. C'est pas ça seulement. Question déclaration patrimoine. C'est un nan plus gros problème toute autorité gain. On garantit vous. Après pouvoir Ricard Pierre là ou pas le temps d'un bagaille. Parce que monsieur Ricard Pierre et prend la presse, ouais la presse sous pareil lio et puis penser de militants, penser de monde, là fait déclaration patrimoine. Je dis c'est première fois oui ça fait on a monté ministre là fait déclaration patrimoine là dit exactement mais comme obligé. Tout c'est une belle propagande que tu as fait pour monsieur à cette époque, belle propagande. OK. Mais nous tout connaît, nèg yo pas jamais fait vraie déclaration. Nèg yo pas jamais dit mes vraies fortunes yo possédé. Tant coup déclaration patrimoine qui ça bagaille là ou dit mes quantité quoi pour gagner mais qui compte travailler. Donc l'homme monte dans le pouvoir. On imagine Ricard Pierre monte comme ministre. Ministre planification.
Pendant monsieur ministre planification, monsieur li gagné comme prérogatif pour le dire, on dit pour déclarer salaire li. Donc ça veut dire l'état connaît si monsieur a fait 3 ans. Dans 3 ans mais combien cob l'a touché s'il pas travaille aucun l'autre côté, li pas ba expertise aucun l'autre côté. Donc tout l'argent monsieur ta doit gagner yo. OK? Faut l'argent yo, faut que yo ka justifier par rapport avec salaire li gagne que ministère planification bali. Et déclaration l'affaire, faut qu'il explique par exemple, monsieur l'été sénateur, faut qu'il ait une preuve justificative de quantité qu'on a été touché pendant l'été sénateur. Donc c'est l'agence qui doit gagner sous compte. Vous pensez que vous êtes jamais capable de dire, pauvre dans son série de cob, l'agent est capable de prendre même secteur privé, dans le Renault Zip, pour te traverser avec un conseil de conteneur pour lui. Vous pensez que l'agence est capable de justifier? Gina l'agent ça bon gineg bam dou go l'autre réalité ou pas konnen gineg la kayo ge kou fou fou gineg la nan pouvoir la gineg la kayo ge kou fou fou ça veut dire nèg a pas déposé l'argent la banque ou bien il déposer un petit cal l'argent la banque et puis kou fou fou la kayli bon go cause m'a bon la gineg ndou ki gen kou fou fou la kayli. Il y a l'autre côté au serré l'argent et nèg ça au conseil de l'autre compte avec l'autre petit ami fait créer un série de l'autre compte bancaire sous nos amis pourtant c'est compte payolier c'est ça que joue une bout nèg ça pas bagaille qui facile. OK, faut que c'est des enquêtes très approfondies que tu as pour faire pour t'arriver jouer une bout nèg ça yo pour t'arriver jouer réellement quantité l'argent nèg ça yo gagné. Donc Ricard Pierre Sénèg, il a fait déclaration patrimoine, mon a bat bravo. OK, il prend Ricard comme citoyen honnête paisible parce que il a fait déclaration patrimoine. Donc c'est bon bagaille qui trop fait ici parce que nèg ici là yo entré en pouvoir, donc yo pas jamais fait déclaration. OK. Maintenant, on pas bay tête nous mentir. Le Ricard Pierre aller assurément, monsieur qu'a déclaré peut-être 10 à 20% de quantité l'argent là et c'est ça tout nèg fait ici. Parce que quand nèg la gagne ou pas obligé questionner qui compte joine ni qui travaille ou fait pour gagne comme ça et c'est là nèg yo bay menti dans déclaration patrimoine nan. Parce que nèg yo tellement pas droite, nèg yo tellement gon série de actions malhonnêtes, actions crochu y a mené chaque jour, yo pas ka bay preuve dans son série de cob yo gagne parce que la banque pour aller déposer l'argent la banque pour que c'était cob aller déposer la banque gagne la loi même qui dit ça ni gon cob aller déposer la banque faut ka bay qui côté le sorti. Si vous êtes businessman, il faut que vous ayez des papiers détaillés de travail à faire. Si vous êtes businessman, peu importe ce que vous avez. OK? Maintenant, nous tous nous connaissons que vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? On a fait tant que Willow Joseph qui juste dit bon, gon l'argent tape là pour voter non c'est politique générale en premier ministre, lui-même il prend pas là. $80,000 américains. Vous pensez comme ça pour justifier selon la loi? Vous pas comprendre comme ça pas qu'à justifier parce que comment monsieur Bral dit bon c'est tel bagage qui t'a fait là et puis t'es gon main levé donc moi juste levé même yo bam $80,000 fraude corruption liée. Mais puisque c'est corruption liée mais ça qui passe prison c'est ça la réalité là gros cob nèg la gagne le pas qu'à justifier l'aucun côté parce que pas de provision légale pour ça. Et chaque fois où l'on est au pouvoir, ou bien l'on est au sénateur, l'on est au député, nous avons tellement de conseils de compte bancaire, et on a des comptes bancaires sous nos petites cousines, petites familles. Nous n'avons pas qu'à justifier. OK? Donc, je cite un cas de Mounba, où l'on dit, il y a Wilfried Gélin, il y a Willow Joseph, Hervé Foucan, Dieu donne l'humain Étienne. Jean-Marie Salomon, il fut un tes amis Martelly. Partenaire Martelly, nèg dans sud. Vous comprenez? Zami Martelly. Mais kounya là, peut-être gon quelques deal qui mal passé entre yo. Parce que bon, on connaît, nèg yo dans la grande mode tout, pas j'aime connaît, quelques deal pas mal passé entre yo et puis sont entendu nèg yo vinn en quelque sorte yo entré en opposition ouverte une autre contre une autre. Vous comprenez? C'est ça vinn créer une sorte d'animosité entre deux nèg yo. Mais monsieur fait partie de monde qui fait fausse déclaration ou bien déclaration patrimoine faux oui. Ou pas comprendre. Kounya la loi dit nèg sa yo pas gen droit poser candidature pour quel que soit poste électif en Haïti que le sénateur député même pour kazek azek
kounya la. Et moun ki en bas sanction yo, ki sa kap di pou yo? Et c'est ça qui fait au pral wè. La justice pral traîner pied le comme ça. Tendez bien. Selon rapport ULCCA là, goup bon nèg la ki doit commencer dans prison. C'est ça principe là. Et ça ta doyé. Mais si nèg yo dans prison, yo pral prononcer contre yo et nèg yo pas n'importe qui, donc procès doit fait rapide. Automatiquement nèg la condamné, nèg pas gagne aucune chance. Mais actuellement là, puisque rapport a sorti, pourquoi gagne arrestation? Depuis pourquoi gagne arrestation, nèg a joué de présomption d'innocence toujours. Pourquoi gagne arrestation? Donc la justice pour qu'on prononce, pas qu'il y a un juge qui prononce, pas qu'un tribunal qui prononce, ça veut dire qu'il est libre toujours pour mener toute activité, y compris participer dans les élections. Vous ne comprenez pas, non? Mais c'est là où il n'y a pas d'être fort. Pas oublier l'autant de nèg yo di yo changer tel moun, yo changer tel moun, c'est promotion yo bay, ou bien moun yo changer, c'est pion y a déplacé. Eldegi yo moué qui vin là, comme commissaire du gouvernement, ou pas c'est pour rien? Assurément nèg yo te konnen rapport ça après le sorti, oui. Donc faut que yo mette ton moun qui pour couvrir arrière yo. Nèg yo pas sot, nèg yo pas imbécile nous. Faut que yo mette un moun qui ka couvrir arrière yo. Pour qu'a toujours continuer en sécurité, pour qu'a toujours continuer positionner en façon pour que écoutez, pour que yo toujours gain contrôle la justice, y a toujours marché libre libre. Ça yo pas peur personne, ça personne pas faire yo peur. Au contraire, c'est eux même qui ka fait moun peur parce que c'est eux même qui gain pouvoir dans main yo, c'est eux gain contrôle justice là. Comprenez bien? C'est ça où Dieu connaît. Donc puis on pas déplacer pour gram ici. Nous dit selon rapport ULCCA, groupe de moun sa yo pa ta doué en mesure pour yo candidat. Et n'abtan. Pas oublier, gen pile prophétie qui annonce sur Haïti. Gen moun qui même dit, pays a ta doué commencer à aller yon ouf et à partir de 2026. Ce qui n'est pas certain. OK, pas gain certitude dans ça. Pas gain monde qui certain de rien dans ça là. Est-ce que réellement parce que là c'est des on dit nous dit déjà c'est des prophéties, c'est monde qui a parlé qui ou bien que tu as souhaité que bah elle a fait telle ou telle façon. OK. Mais dans démarche nous qu'a fait là yo, dans pion nous qu'a pas avancer là yo, n'a demandé tête nous est-ce que pas gon réalité ou bien pas gon part de réalité dans ça que tu dis yo. Parce que nous en 2023, nous allons rentrer en 2024. Nous avons construction canal à fête. Et nous tous, nous voyons comment la population, comment tout le monde est enthousiasmé, comment tout le monde est content, comment tout le monde veut participer. Il y a des gens qui veulent même c'est un grain de dollars pour vous bailler, pour vous connaître, vous bailler participation. C'est une full énergie qui a développé, qui a sorti la caille chaque haïtien. Vous comprenez? Donc, moi-même, j'ai envie de dire vraiment, on n'est pas loin. Ou bien, on n'est pas trop loin. Nous pas trop loin, nous de Buya. Et nous privé quand même, nous pas avancé. Nous dit, selon prévision météorologique, Haïti a subi gros la pluie pendant tout week-end. Et tant vraiment li levé en demoiselle, si nous croyons plusieurs mouns dans plusieurs secteurs, plusieurs régions dans le pays qui fait nous connaître, tant li levé et tout fermé. Vendredi 17 novembre, là, donc situation li même li un peu compliquée. Vendredi 17 novembre, là, gayon accident qui fait, et côté gayon bus rotation qui fait Port-au-Prince ou Anamet, li chaviré, et selon toute information, gen plusieurs moun qui mouri, gen divers les autres qui sorti blessés. Nous espérer, secours yo même yo te rivé à temps pour que yo rivé, secouru une série de moun qui te en grande difficulté, qui te gen problème, qui te rete coincé en bas bus là. Et pas oublier nous dire, en République Dominicaine, magistrat ville d'Ahabongna qui c'est Riberon Santiago, monsieur fait gros déclaration et monsieur fait qu'on est lui-même bientôt haïtien pour le craquer, il y a obligé ouvrir frontière là parce que peuple wana maintenant pour faire manifestation et lui-même en tant que dominicain, li pa wè comment pour ta mettre à genoux dans pied haïtien pour le supplier pour ouvrir barrière parce que il fait qu'on est que pour t'arriver dans situation pareille, li ta pito mouri ou bien ta pito manger terre et ba yon semaine pour que haïtien ou même yo ouvrir frontière. N'a suivre qui ça pour le bail, n'a suivre comment ça lui-même li pour le fini. N'a suivre comment situation ça lui-même li pour aller mais en attendant canal la pap kampi, canal la continue et puis
barrière nous style rete fermé. Nous t'ai gagné passé mais qui fait dans prix visa dominicain yo. Et moi ouais conseil de agence en Haïti commence à plaguer visa $550. Faut que nous veiller. Pas aucune raison pour n'a payer visa dominicain toute l'agence a eu encore. C'est nous pour faire respecter nous. C'est seul haïtien qui paye visa dominicain aussi cher. Restez connecté ensemble avec nous, passez un très bon week-end de formation en notre compagnie. Pas déplacé, restez là, restez connecté ensemble avec nous mesdames messieurs. États-Unis pays foulaille, $2 million vet pour vite l'homme. $2 million vet pour quel que soit monde qui gagne information claire sous vite l'homme. De vous ka informer FBI, mais qui côté vite l'homme, $2 million. Vite l'homme innocent, chef gang crasé barrière, qui chita nan tabar, torsel, pour plus information. Vite l'homme innocent, c'est, m'se fait partie de yon liste 10 fugitifs les plus recherchés à travers le monde par les États-Unis. Ok? États-Unis, dans yon note, yon fait connaître. Vite l'homme innocent, chef gang Krasé Barrière, ancien membre opposition politique en Haïti, ancien membre SDP, parce que monsieur Aklem, monsieur te dit clairement, lui-même, il était fait partie de SDP et li chita ensemble avec tout nèg sa yo actuellement là qui nan pouvoir. Vite l'homme innocent, côté m'a parlé ensemble avec ou là, monsieur gè $2 million vet sous tête li. Quel que soit moun ki kon ki kote vite l'homme, juste les États-Unis bay information et puis tout $2 million. La pays ka fè fou lay. Mais vite l'homme nan croisade. Vite l'homme a chanté nan croisade depuis qu'on y a États-Unis dit li met $2 million pour tout moun ki gen information. Kote pasteur, pasteur te dit monsieur innocent. Et pour question de vite l'homme, c'est monsieur innocent. Gade, information très claire. Ou pas comprendre. Si pasteur est intelligent, il crée les FBI et puis il fait comme ça, mon cher. Donc, vite l'homme innocent, il est croisade de tous côtés, croisade de ghetto, ou comprenez? Et sponsorisé croisade de tout bagaille, et puis je dis en la, je dis, vite l'homme innocent, il est fugitif, il fait partie de 10 fugitifs les plus recherchés à travers le monde. Et bien, notre tête a passé nous, États-Unis, pays fou là, vous comprenez ça? Bon, ben, tout, mais vous avez fait comme ça, oui. Parce que ni moi-même, ni vous-même, nous tous nous avons des informations claires, mais qui côté vite l'homme posté. Et pas ça? Le Parlement Kenya, finalement, yo bay verdict pa yo. Dans une séance qui déroulait jeudi 16 novembre 2023, le Parlement Kenya, en pile, moun tap tan li tout, sous décision qui t'a reprend pour que yo voyez ou encore yo déployer force multinationale là pour déployer environ 1000 policiers kenyans en Haïti. Nous songe toute la lose mon la lose dans dossier ça n'a demandé qui s'est passé comment ça est. Eh ben le Parlement kenyan jeudi 16 novembre là yo prend décision yo voté presque à l'unanimité pour que le Kenya li déployer 1000 policiers en Haïti. Mais ce n'est pas tout. Pourquoi courir content non décoser toujours pas oublier la Cour suprême bon côté pal a fait en passé lui-même yo peut-être des vraies raisons yo qui fait ces comportements ça que yo gagné la Cour suprême yo gagne décision pas yo même yo te reprend depuis le 9 novembre nous tout nous songe ça yo pas dit rien. Eh ben selon après vote là responsable la Cour suprême Kenya nous fait connaître yo même décision pa yo a sorti tande ça s'il vous plaît 26 janvier donc c'est 26 janvier y a connait si y a voyé soldats en Haïti si y a autorisé déploiement policier kenyan yo asi y a interdit 26 janvier donc c'est-à-dire dans environ 2 mois encore pendant ce temps les États-Unis dit Haïti pa katan l'ONU dit Haïti pa katan est-ce que yo pa ta jwenn l'autre pays yo bay tête force multinationale là Lionel Valbrun qui c'est ancien secrétaire général palais national nous songe bras de fer qui était gagné Lionel Valbrun ensemble avec Josué Pierre lui côté pour Josué Pierre lui était installé dans palais national monsieur pas d'accord et monsieur était dit sous fiel li pour Josué Pierre lui passer mais Lionel Valbrun il était attendu le jeudi 16 novembre 2023 au carré du juge de l'instruction Walter Voltaire Wisser. Eh bien, c'était fait. Monsieur l'y présenté devant le juge là, en pile causé parler. Nous sommes route pour nous subir un lot raté gaz dans le pays. Et nous déjà là, dans là. Conseil de zone actuellement là, côté ma palavra là, pas de gaz. Depuis dimanche 12,
après nèg exam ou bien après la mort chef gang Belekou a parlé de Andris Iska qui t'a dirigé secteur ça. Eh bien plusieurs autres groupes gang rival donc qui t'ont toujours à groupe ensemble avec monsieur t'a petit Gabriel yo décidé yo même yo dit tout côté monsieur t'a dirigé tout espace monsieur t'a dirigé yo y a pas envahi et certainement pendant depuis dimanche à jeudi vendredi en la côté m'a parlé ensemble avec ou là et pas deux coups de balle qui a boucanté en pile monde obligé quitter la caillou en pile monde obligé laisser la caillou situation compliquée situation terrible donc ça a vienne causer un problème côté que pas oublier terminal la plus grand terminal pays a gagné dans Vareux c'est dans cité soleil lié. La guerre des gangs, affrontement monsieur Yovin cause, camion pas qu'à déplacer, aller dans le terminal là, faire le plein. Et pas gaz, donc pas dans le terminal là. Terminal là, il y a gaz. Il y a gaz dans le terminal là, mais camion pas qu'à déplacer pour aller faire le plein. Tellement coup de balle à boucanté dans Cité Soleil, tout de suite après la mort chef gang Iska. Un gros cause. Ok? Donc, nous dirigeons tout droit vers une autre rareté gaz. Ou pas le temps de combien de gaz ou gaz ou pas le 20 jours qui vient là. Mes amis, comment nous sommes contents d'entrer la caillou et nous tomber vite dans le week-end là. On connaît automatiquement nous dans le week-end. Week-end c'est moment plaisir, week-end c'est moment pour enjoy ou relax. Moun qui peut-être fait toute semaine n'a pas travail, courir dans le week-end là, c'est moment pour relaxer. Moins content ensemble avec vous, mais j'espère que vous passez une bonne nuit et vous pouvez passer une bonne journée en notre compagnie. Nous dit, mesdames, messieurs, la Cour suprême kenyane, yo poussé, est-ce que m'ka dit, on kalot marasa? Parce que, États-Unis investit gros dans le dossier ça. Et m'di ou, bagay ça, maintenant tête nous, pral gon décision, pral sortir décision, pas pour si facile non. Après la Cour suprême te fin, tende yon opposant au pouvoir en place, là n'a pas parlé de nous au Kenya, sous ça qui gagne ouais avec déploiement ou bien possibilité pour que force multinationale ça t'a déployé en Haïti, qui t'a donné dans tête le Kenya. Donc t'a donné environ 1000 policiers Kenya qui t'a donné venir déployer là en Haïti pour capable aider résoudre problème qui gagne la crise insécurité qui gagne là dans le pays. Donc tout le monde attend, tout le monde espère le Kenya. Yo pral prendre décision aussi rapide. Tout bagay était presque prêt d'ailleurs. Gen moun ki te même pensé dès la première semaine du mois de novembre, tout bagay tap OK et intervention tap commencé fait. Maintenant, le nou gade et la Cour suprême pays Kenya après gen yon opposant politique qui te kapel di, li pas sûr jan situation yé là en Haïti, c'est yon li pas sûr c'est yon momentum vrai qui a facilité les policiers kenyans pour venir mettre la paix vrai en Haïti parce que selon ça le fait qu'on est ça gien là en Haïti il pas aussi simple que j'en pense là. OK, et nous songer tout dernièrement il y a un député kenyan lui même tout le dit même bagaille là, il dit il pas sûr policiers kenyans yo c'est les plus formés au monde. Li pa kwè policier yo fait partie de policiers qui mieux équipés, mieux armés, mieux formés pour ta vie mettre la paix en Haïti, pour ça le tendez qui gen là en Haïti, pour j'en tendez moun ap mouri chaque jour en Haïti cause insécurité et yo apprend insécurité gen là en Haïti, zam kap entre en Haïti yo, provenance zam yo c'est vers les États-Unis. OK, en pile secteur au Kenya d'ailleurs. Bon, la nouvelle ça t'est à peine tombé. Et opposition la presse kenyane, yo t'ai prend bail la pour une blague. Yo dit en comme si pour état nous est là et puis nous tellement comme si nous tellement bon, la caille nous tellement bon pour nous gagner assez ressources et puis kounya là, nous pral aider l'autre monde. Yo t'ai trouvé bagay ça son blague. Son plaisir yo t'ai prend ensemble avec lui. Mais les États-Unis lui-même était en mode adelanté, il était parce que faut que c'est Kenya qui prend tête force multinationale là. Maintenant, n'attend, rete tan parce que gan pile nouvelle rassurante qui t'est venue qui montrait non bref délai, non petit temps qui pas trop long, déploiement a fait quand même. Et puis c'est regarder à chaque fois, à chaque moment, gon parole cap sorti. À chaque moment, gon bagay cap dit. Et finalement, mesdames, messieurs, la Cour suprême kenyane, yo fait qu'on est, c'est le 26, yo va le pencher sous cas pour yo connait. Est-ce que y a autorisé déploiement force là, ou bien est-ce que y a interdit pour que les policiers kenyans, yo même yo rentrer en Haïti, pour que yo autorisé policiers yo rentrer ici. Tout là,
n'a demandé il y a une bagaille qui est important pour nous nous t'a dû questionner hein nous t'a dû questionner le comportement des États-Unis dans dossier ça parce que dis-moi s'il vous plaît les États-Unis bon côté pas les comportements qu'elle doit adopter dis-moi s'il vous plaît parce que c'est États-Unis Canada la France c'est eux même qui grand instigateur bagaille ça c'est eux même d'ailleurs qui a fait pression sur Kenya même dit pression parce que on va comprendre go paquet gros pays qui gagne grand moyen et ça que m'te accepté ou bien m'te d'accord ensemble avec député y a te fait connait li pas quoi policier kenyan yo c'est les mieux formés au monde qui t'a pour alvin prend tête force multinationale là on déclaration que moi appuyer kounya tout mon paquet gros pays pas gagne une qui accepté alors pense kenya t'a juste rester comme ça lui même li proposer tête li. C'est parce que, il y a des pressions, parce que, pas oublier, mes amis, me dit nous ça. Les États-Unis, c'est lui-même qui patronne, c'est lui-même qui équipe, c'est lui-même qui entraîne l'armée kenyane, la police, et c'est les États-Unis qui baillent tout le monde en munitions pour fonctionner. Ça veut dire qui ça? Puisque c'est les États-Unis qui baillent les moyens pour fonctionner, les États-Unis imposent des conditions, ils sont obligés d'accepter. Point boule. Vous comprenez? États-Unis imposé, ils ont obligé d'accepter. Mais je ne suis pas sûr que c'est toute instance au Kenya qui accepte d'un commun accord pour venir là. Parce que, en pile, ils ont fait qu'on est, pour ça, ils ont tant de cas passés là en Haïti, ils n'ont pas quoi, ils ont des moyens assez, ils ont des capacités assez, ils ont des étoffes assez pour être capable de venir résoudre. Ce sont des choses qu'ils ont dit presque chaque jour. Et chaque fois que le gouvernement a dit, ils ont mandat de l'entrée, tout le presque prêt, ou tant de choses qui sont. Et nous songeons dans le jour passé, là, gagner ministre intérieur te fait qu'on est lui-même tout autant ti tête l'argent exigé a tout autant l'argent ça a pas disponible l'argent ça pas prêt yo pas fait yon pas tout nous songer ça et bien déclaration ça te soulever colère on série de haïtien pour nous quantité l'argent Kenya exigé pour un an seulement et l'autre pays yo tu comprends ça pour lui-même seulement hein? Puis là, j'en t'étends de 200 combien millions de dollars alimentés pour un an. C'est pour lui seulement. Mais ça a soulevé quoi, un paquet de secteurs en Haïti. Parce que nous, ouais, avec un tel argent, avec un argent comme ça, la police nous en tape bien équipé, l'armée nous en tape bien équipé, nous tape un paquet de jeunes que nous tape intégré dans l'armée, faire formation pour eux, acheter hélicoptère. Ok? Acheter hélicoptère, acheter blindé. Acheter munitions et matériel pour la bonne fonctionnement ou encore pour le bon fonctionnement de la police. Mais nous tous nous voyons qui s'est passé. Nous tous nous voyons comment la situation est même paraît. Ok. Maintenant nous dit le Kenya li planche côté li fait qu'on est on dit le parlement li baille verdict li lance verdict par là lui-même li prononce verdict li baille main levé li dit pas gain problème tout policier yo capable vini on dit 1000 policiers kenyan ka rentrer yo capable rentrer mais le parlement kenyan c'est pas instance qui pi roi c'est pas dernière instance décisionnelle là vous comprenez. Puisque c'est pas dernière instance décisionnelle là, yo obligé tendre la Cour suprême. C'est lui-même qui a bay dernière bénédiction. C'est lui-même qui a dit si pour yo vini, à si pour yo pas vini. Et non bagay ça vient faire que la Cour suprême lui-même l'y prononcé. Après vote parlement qui fait jeudi 16 novembre, la Cour suprême lui-même l'y fait connait, nous même font ti tendre toujours. La Cour suprême kenyane yo fait connait date yo même y a fixé pour que yo sorti avec dernière décision pour yo konnen si y a autorisé déploiement 1000 policiers kenyan en Haïti à si y a interdit ou bien si y a refusé c'est 26 janvier qu'a vini là ça veut dire dans espace 2 mois encore nous devons patienter 2 mois encore pour nous une réponse sur ça kounya là si on t'a dit yo pas d'accord si on t'a dit yo pas vini est-ce que tout bagaille a chambardé parce que go paquet pays là ou pas de environ 10 à 12 pays qui t'ont accepté pour y venir. Mais 10 à 12 pays accepté pour y venir, il y a juste un problème de leadership. Parce que Kenya a vint là, Kenya pas seul pays d'ailleurs vint avec seulement 1000 policiers. 1000 graines policiers seulement pas résoudre ça gain là. OK. Donc plusieurs pays tant que Jamaïque, gain Barbade, plusieurs autres pays dans la région, yo même yo te répondre tout pour que yo baille participation pa yo.
yo te répondre pour bay soldat, pour bay policier. OK. Kounya la nous dit problème dans la son problème de leadership. À défaut de Kenya, c'est qui est-ce? Si Kenya t'a dit pas d'accord. Si la Cour suprême t'a dit retirer nous dans causer ça. C'est qui est-ce cap capable prendre renne? Qui est-ce cap capable prendre la relève? Parce que de toute façon, faut gagner un pays qui accepte prendre commande là. Faut qu'on paye qui accepte prendre leadership là. Est-ce que vous comprenez? Qui faut même dire moi-même m'a questionner le comportement des États-Unis parce que si Kenya dit pas d'accord et États-Unis prend dossier ça vaut elle sous dole comme quoi c'est tant que c'est États-Unis qui te gain problème non kounya là c'est qui alternative qui échappatoire qui va le gagner et ceci est très important pour nous parce que moi analyser avant déjà me dit ça nous pas attendre que force multinationale pour résoudre une série de problèmes ici. Nous pas maintenant tête nous pour résoudre problème qui gagne là par exemple ouais ça qui gagne là dans cité soleil un chef bandit ni tombé 2 3 4 l'autre chef bandit qui est en prêt là pour prendre espace là et dans tout ça qui est cap victime c'est population civile là m'a regardé vidéo y a monté côté Abdou conseil de soldats Gabriel Nego Bay Boakale et cetera écoutez pas de problème si c'est bandit à bandit le gagne guerre même toujours dit ça si c'est bandit à bandit cap troquer connu c'est même encore victime n'est pas problème non. Problème non c'est parce que le malin de ça yo a goumé qui est ce monde qui prend victime plus ces populations civiles là parce que dans cité soleil là yo dit gen plusieurs monde qui t'a prend balle gen monde qui t'a mouri et mais l'autre répercussion pral gagner gaz là pas qu'à traverser le gaz là pas qu'à traverser comme ça comme tout ça qui pral passer nous comme ça déjà carburant ou bien gaz produit pétrolier c'est des produits transversaux yo yé. Automatiquement, l'hôpital ne peut pas fonctionner. Vous comprenez ça? Vous avez des institutions qui ne peuvent pas fonctionner. Vous avez des médias qui ne peuvent pas fonctionner. Parce que pas de gaz. Et c'est la réalité, ça même qui ne peut pas être là. Parce que automatiquement, pile discussion ça, pile guerre ça, qui est là, côté que, n'a décidé lui-même, il dit, la prend secteur ça. Et il y a une raison qui fait Gabriel avancer pour prendre espace là, c'est à cause de gaz là. Parce que mine, c'est comme si on mine l'argent là, quand on mine gaz là, on mine l'argent là. Mais Dieu veut à tout prix, il faut que c'est eux-mêmes qui contrôlent. Côté l'État, dans tout ça. Depuis dimanche, coup de balle à boucan en bas, après, les côté l'État, je ne dis. Depuis dimanche, oui. Depuis dimanche, je regarde qui joue nous. Ça veut dire depuis environ 5 à 6 jours, balle à péter en bas, nèg à goumé entre eux. Population civile la victime après les SOS y a lancé depuis dimanche là on chercher l'état on chercher la police mandé au qui côté oui vous comprenez kounya là balè sa vite mettez abcès sous clou parce que comprenez bien en imaginez nan quand vous faites déjà un paquet l'école qui pas ka fonctionner pas seulement quand vous faites et puis tout zone avoisinante yo. Tant coup, avenue Christophe, conseil de l'école qui n'a pas fonctionné parce que yo pas gen trop distance avec Carrefour. Moun qui déserté zone yo. Vous comprenez? Kounya là, Carrefour déjà pas fonctionné, lycée jeune fille, plusieurs autres l'école qui très important qui regorge une série de on quantité de ti moun, l'école ça pas fonctionné. Kounya là, ou pral vinn ajouter cité soleil encore. Mais problème non. Et l'autre des gars ça pété cité soleil là s'il vous plaît. L'autre dit cité soleil c'est une commune. L'autre prend toute zone Sarthe. Ou prend Douillard. Ou prend Cazo. Ou prend quoi des missions tout côté ça. L'autre prend toute zone ça, il prend paralyser tout. Vous d'accord sur ça? Il va le paralyser parce que zone ça yo, yo presque gon interconnexion entre yo. Et tout dernièrement, et dans mi-temps semaine même, zone Carrefour Vincent, ba di yote bari sa net, oui, prend machine croisé dans route là, oui, Carrefour Vincent, oui. Vous comprenez ça? Donc ça veut dire le ou gon l'état qui pas répondre avec responsabilité, le ou gon l'état qui pas conscient de gravité en série de décisions que y a prend. Le ou gon l'état qui pas soucieux de population là. Ou ap toujours gen sa yo.
Donc c'est un meilleur moment pour que force multinationale là vraiment les déployer là et le ça me dit ça déjà depuis force là déployer conseil de bandits pour obliger rentrer dans cachoyo le temps y a observé qui sa force là pour le faire dans qui niveau intervention pour le faire qui ça eux même yo doit faire. Vous comprenez? Donc c'est ça qui fait en pile haïtien en pile monde te dit eh ben j'ai situation présentée là j'ai bagarre la présentée là pito yo prend force là. OK. Donc la Cour suprême Kenya yo dit nous obligé tendre environ 2 mois encore pour yo connaître. 2 mois, c'est pas dit yo dit y a bay aval dans 2 mois non. Dans 2 mois yo pral chita pour yo prononcer, yo pral chita pour yo réfléchir pour yo connaître qui décision y a prend. Est-ce qu'il y a autorisé ou bien s'il y a refusé? Rien n'est certain. Rien n'est acquis. OK. Pas grand rien là comme si pour dire que OK, tout ka nan mais faut me dire Yon nan défaite André Michel t'a senti le prend c'est si toutefois force multinationale ça pas qu'à déployer vraiment en Haïti pas seulement André Michel les partisans d'Ariel Henry parce que moun sa yo senti yo son chaise éjectable moun sa yo poser tête question qu'est-ce qui va se passer le 7 février 2024 mais l'autre manigue a proposition déjà il dit pas gain mécanisme constitutionnel. Gina qui dit faut Ariel joue noir quoi pour le capable rete. Gina l'autre qui dit pour quoi Ariel besoin. Mais Ariel besoin yon entente. Vous comprenez ça? Ça veut dire nèg sa yo, il a filé zepon yo, il a filé manchette yo, il a préparé yo. Il y a arrangement qu'a fait. Vous comprenez? Nèg a fait arrangement. Qu'on y a automatiquement nèg yo t'attendez force multinationale la pas venir encore nèg y a senti au perdu plume parce que pas oublier moi t'ai analysé avec ou déjà me dit ou l'on est force multinationale la vini youn nan mission pour gagner c'est protéger moun ki te rele yo a point boule. OK, ça pas gagne débat sou li youn nan moun ki pral full protection c'est moun ki rele yo a. Donc Ariel Henry et ses acolytes ouais actuellement là Ariel, qui est-ce qui est affecté dans la sécurité là? Dans la sécurité Ariel actuellement là, c'est Ligue l'armée. Vous comprenez? Quand il y a là, ou bien le force force Savini, Ariel doit avoir 10 à 20 policiers en plus. C'est quand il y a le cortège Ariel parce que pour avoir un soldat ou bien force multinationale là, pour entrer dans le cortège, monsieur. OK? Ça veut dire, monsieur, c'est sécurité l'a cherché plus. Automatiquement, les renforcer sur le plan sécuritaire, nous avons bien garanti. L'a rété au pouvoir au-delà de 7 février 2024. En pile partisan, monsieur, ça a peur. Parce que y a tellement qu'on n'a pas posé aucune action sérieuse, aucune base. Y a tellement qu'on est action à poser à terre là. Y a pas dit aucune légitimité. Y a pas fait unanimité dans la population. Yo tellement qu'on est avec modèle action y a posé yo pas inspiré population aucune confiance donc yo connaît yo pas gain en pile chance pour rester sous pouvoir les milliers de maniga dit pas gain mécanisme constitutionnel roban pour ta retirer monsieur mais est-ce que gain mécanisme constitutionnel tout pour ta gainbel on va comprendre c'est même genre. Alors on est qui fait tout le temps ça non pouvoir on est qui fait tout le temps ça côté monsieur gain environ 2 à 4 mois pas ça monsieur monté 20 juillet hein juillet novembre juillet 2021 mais nous dans novembre 2023 vous comprenez ça veut dire Ariel gagne 2 ans 4 mois là depuis la passé figure dans tintin et l'autre là traité le jour mais quand c'était un Jovenel gagne depuis la énervé population vous comprenez et puis je dis là moi même on souvent remet fait établir rapport ça liaison ça. Liaison qui gagne entre Jean Sateye hier, Jean Lié Jodia. Réaction qui gagne hier, réaction qui gagne Jodia là. Son bagay tout moun ap dit chaque jour. Son bagay chaque jour n'ap mande. Mes amis, qui explique Jean situation teye le quantité manifestation ta fait. Moïse Jean Charles fait manifestation. André Michel fait manifestation, Nenel Kassi tout fait manifestation, côté Jean Mona, tout journaliste, tout le monde qui te dit à prendre la rue, Liliane Pierre-Paul et autres. Moun sa yo te dit à prendre la rue, yo prend la rue parce que bagay la pas de bon. Mais jodi an la nan ki niveau li, est-ce que c'est bon le bon? Est-ce que le bon jodi a?
Parce que le même garde ça qu'a fait là, le même garde dans dimension infra-humaine population à vivre là. Manifestation de fait chaque jour bon Dieu mette. OK? Chaque grand jour manifestation te doit faire pour gens situation est là et pour jeune t'a dit bagarre la pas de bon hier bagarre la pas de bon sous Jovenel et kounya comment lié est-ce que le bon est-ce que ne satisfait de gens lié à kounya des fois gien nèg moi même me senti faut que tu en face moi pour me poser aux questions pour demander yo est-ce que yo satisfait de bataille yo te dit à mener pour le bien de la population bataille pour bien-être yo te dit à n'a rien poser aux questions ça n'a rien répondre moi tout oui pour t'a dit sur une échelle de 10, qui niveau satisfaction yoye? Vous comprenez? Qui niveau? Parce que si vous menez une bataille, faut qu'on et au terme de bataille là, faut qu'on ait tête ou note. Faut qu'on fasse autocritique, faut qu'on fasse auto-évaluation, donc évaluer propre tête ou. Dis qui est souillé, dis comment ouais bataille là, bay satisfaction ou insatisfaction. Sur une échelle de 10, comment? Parce que nous te dit nous menons bataille pour le bien-être. Est-ce que nous jeune bien-être là? Kounya, des fois c'est nous qui mal comprenons nèg yo, nous mal interpréter. Et ça fait tout dernièrement gon moun qui dit Ariel échoué et puis gon moun qui répond qui dit ou pas ka dit échoué parce que ou pas konn ki calendrier le te gen. Ou pas konn ki sa le te gen nan plan. Ou pas konn ki sa yo te dit, ou pas konn ki l'autre yo te passé, ou pas konn ki travail yo te bali. Ou pas konn ki mission le te gen, donc ou pas ka dit échoué. Et là je suis d'accord. Ou ka dit monsieur échoué. Vous comprenez? Parce que on comprend. Pour dire que nous avons échoué, c'est en fonction de ça que nous avons comme feuille de route. Ok? Mais nous, par contre, qui ça? Nous, Ariel, nous avons échoué. On est qui sorti de nulle part. On demande qui côté Ariel sorti. C'est nos parachutes qui sorti. Si son l'oreille qui est là, quel côté là. On est qui sorti de nulle part, il est tombé là. Mais Liban, nous, ça n'a pas nous là. Est-ce que vous avez dit échoué? Kounya là, je suis d'accord avec les gens qui croient que nous échoué. C'est en fonction de poste qui gagne. Parce qu'en tant que premier ministre, tout le monde connaît qui soit à lui gagner comme attribution. Ok? Et qui pisait pas le président. Donc le fait que pas le président, toi en tant que premier ministre ou ses premiers citoyens, tout le regard a viré vers vous-même. Donc tout ça qu'a fait, tout ça qu'a dit à Théa, c'est vous-même qui est premier concerné. Et ça fait des gens qui doivent avancer tes vers pour dire monsieur échoué. Parce qu'il n'a pas rempli à bien sa responsabilité, son rôle. Monsieur juste vient là pour le faire blanc plaisir. Comme c'est blanc que tu mettez, vous comprenez? Monsieur vient là pour le faire blanc plaisir. Et Haïti a mettre chavir, Haïti a mettre disparaître. Vous comprenez? Et qu'on pas qu'un nèg qui passait avant Ariel Henry, c'était même perception, c'était même réalité, même attitude là. Donc Ariel n'est pas le premier. Ariel n'est pas le premier monde dans nos réalités ça. Ariel n'est pas le premier monde qui l'a gagné nous dans condition ça là. Il n'est pas le premier dirigeant qui passe qui gagne attitude ça, qui comportement moche ça. Vous sentez si bagarre ça vient tout nos réalités. Vous venez sentir monter au pouvoir, craser, piller, briser, c'est ça la norme. Vous comprenez? Qui fait l'entrée dans boîte l'état yo? Nan pos yo, moun ki plus ou moins paraît sérieux, li capable de toucher moins, et c'est lui même y a pire rapide révoqué. Tenez bien ça m'a dit, oui? Le monde à l'envers. Moun ki sérieux nan pos la, oui, c'est lui même qui pa gen place li parce que espace ça yo pas fait pour moun sérieux. Donc si vous voulez faire deux jours en plus dans poste là, vous obligé entrer dans corruption, vous obligé entrer dans fait tributage, vous obligé entrer dans jouer moun, vous obligé rentrer dans veiller bouche moun pour aller porter bail patron, pour aller porter bail boss, pour aller dire. Voilà la réalité. OK? Vous comprenez ça? C'est li win là, c'est ça ni là comme réalité. Et ceci n'a vivre chaque jour. Allez dans boîte état ou ouais? Ça m'a dit là sous gonz ami qui non boîte l'état. L'état a expliqué la réalité qui est dans la boîte. L'état, c'est exactement ça. La réalité, ma peine ba wala, c'est lui-même. Oui. Si vous voulez rester dans le poste là, si vous voulez faire deux jours dans la boîte, ça, vous n'avez pas l'autre bagaille pour faire. Vous jouez tout le monde dans la corruption, faire même bagaille là. Oui, Martelly. Martelly entre dans le pouvoir là. On dit déjà, le choix de Martelly, c'est de la corruption pure. Le choix seulement, le choix de Martelly. Le fait que Blanté, nous, Martelly, c'est de la corruption. Et puis Kounya là, même Martelly ça, les monsieur rentré au pouvoir, monsieur gade, monsieur ouais pratique là. Monsieur nèg qui passe en valio, privé passe et tout ça qui passe. Monsieur gade, monsieur ouais, ah, bah elle a pas l'autre bagaille.
c'est rentrer toute petite famille, toute petite amie, toute petite blonde, toute petite blada. Rentrer yo, faire yo manger au détriment de pays ya. Et ça qu'il y a des moun ouais jusqu'à présent là, Michel Martelly était un candidat, on a dit ou bien Michel Martelly était un moun spécial pour yo. Et si Martelly prend l'élection demain si Dieu veut là, il y a moun qui dit mais mourir c'est li a voter. Parce que il y a moun qui dit Michel Martelly son nèg qui pas manger pour col. Yo dit monsieur pas manger pour col. Parce que les monsieur des présidents monsieur râler toute petite colonne, toute petite amis, toute petite blada yo. Tout nèg qui était dans groupe monsieur yo tout passé comme chef dans pays ya. Même son délégué départemental l'a mettez au quand même. Mais pas gagné nous de pays qui t'ai fait. Ça que t'as fait yo pas de gagner de pays là-dedans yo, son bagage personnel qui t'a réglé. Nèg la prend au pouvoir dans condition yo bali, dans contexte yo bali pouvoir et puis les dit OK, bal fait on sait de l'autre monde vivre monde parle au bon moi et puis Haïti a lui même les plonge. Lionel Valbrun qui c'est on dit ancien secrétaire général Palais National, monsieur nous songe qui était nous échauffouré avec Josué Pierre-Louis, le Josué Pierre-Louis t'a pas installé comme secrétaire général Palais National. Nous étions mobilisé en série de backup et nous étions dit c'est sous fiel li pour Josué Pierre-Louis passer pour l'installer. Nous tout nous songe bagaille ça après l'an mort Jovenel Moïse. OK, Josué Pierre-Louis li monté. Mais Lionel Valbrun, selon un pile monde, selon un pile information, Lionel Valbrun nous s'est agenon cité dans l'an mort Jovenel Moïse. Et nous s'est allé répondre question juge. Dans le cadre d'une audition qui fait jeudi 16 novembre 2023, ancien secrétaire général Palais National là, il passait plusieurs heures de temps à répondre une question. À répondre une question juge instructeur qui c'est Walter Voltaire Wesser sous sa li connaît sous assassinat Jovenel Moïse. Moi même qui fait chaque jour m'a dit si ouais, il a tenu compte de tout le monde vraiment qui gagne implication façon bien l'autre dans assassinat Jovenel Moïse, liste là trop longue. Elle a plus longue que bras nous. Et c'est moun qui était dans entourage Jovenel même qui vend ni. C'est moun qui était bon côté Jovenel, qui était chita bon côté Jovenel, qui t'a porté un gode de l'obali à chaque fois. Vous comprenez qu'a vinn parler dans oreille. Qu'a dit président mon cher ou son bon bagay. C'est moun ça qui livre Jovenel, moun ça qui vend ni. Moun Jovenel te fait confiance et yo qui vend ni. Donc secrétaire général Palais National là, il répond une question et n'a pas tant suivi yo, n'a pas tant qui ça parce que nous dit Walter Voltaire c'est un juge qui tend de plus monde. Mais c'est pas seulement tend de moun yo, mais faut qu'il y ait des mesures qui prend. Parce que dans tout monde nous s'ap tend, on pas jamais tend un monde vinn monsieur relon moun nan vini et puis pour monsieur tout dit mettez moun ça dans dépôt. Faut qu'il y ait ça. Faut commencer gain ça. Parce que bagarre la vinn tout non blague, tout moun yo relé moun nan tout mettre en tête li que la vie vinn passer devant juge là, il finit blabla, il finit parler en pile et puis après ça li rentré. Faut qu'il y ait des exemples qui tracent. Mesdames messieurs, me content ensemble avec vous, était connecté ensemble avec nous. Donc nous c'est vendredi et nous déjà rentré dans week-end, nous espérons vous passer un très bon week-end de formation en notre compagnie et puis semaine qui va rentrer encore. Donc en fait, on va prendre plaisir pendant le week-end, mais on va conserver tout pour que semaine prochaine, pour nous recroiser correctement. Bye bye tout.